Le monde ne peut plus dire qu'il ne sait pas. Le monde ne peut plus dire qu'il n'a pas su, qu'on ne l'a pas averti. Donc, aujourd'hui, être ici, c'est être là où il faut être. Se battre pour Ashraf, c'est se battre pour la liberté. Ashraf est peut-être le seul îlot qui reste d'hommes et de femmes libres dans le continent et dans le sol près d'Iran. Vous êtes ici iranien libre, mais en dehors de ce sol, de cette terre que vous aimez, dont vous vous languissez, que vous espérez retrouver un jour. Et c'est vrai que ces hommes et ces femmes d'Ashraf sont cette lumière qui vous représente, sont cet espoir, non pas seulement pour vous, mais pour ce peuple iranien qui est enchaîné en Iran, dans les frontières iraniennes, qui ne peut pas parler, qui ne peut pas s'exprimer. Se battre pour Ashraf, c'est se battre pour le droit de penser d'une autre façon, le droit de vivre d'une autre façon, le droit d'agir d'une autre façon à celle que les mollahs veulent imposer au monde entier.